Salam alaikum. Le troisième exemple, les lois de Kirchhoff. Donc, je vois un exemple où donc Adna a deux générateurs de tension, où Adna trois résistances. Donc, le but c'est de calculer I1 ou I3 ou I2. Donc, attendre l'essence de I1 ou I3 ou I2. Donc, pour calculer trois inconnues, reste trois équations. Donc la première équation, on a juste les courants liquides roulants, donc I1 et I3, on a un seul courant liquide, le I2, donc est égal à I2. Voilà, donc je vais les deux équations, on a strictement les lois des mains. Donc on a les lois des mains, qui veut les comme l'essence des tensions pour chaque pour le générateur, pour les résistances, les deux résistances, ou le sens positif de la main, donc gêné, donc achera n'a fois i1, donc appliquer le loi des mains, la loi d'homme ici, que t'en n'a que sera fois i1, n'a que stimulé fois i2 est égal à 0, la même chose nous venons de la loi des mailles, donc elle a l'essence des tensions pour les générateurs, pour les deux résistances, ou quand on a le sens positif de la maille, du parcours de maille, donc t'en n'a que stimulé fois i2, n'a que stimulé fois i3 est égal à 0. Voilà. Donc, ça n'a pas de l'état des équations. Donc, pour qu'on ne fasse pas de double maths, de barrel maths, ou l'état des inconnus, I1, I3, I2, خسنا نحدو دونك شنو غادي نديرو غادي نعوض i2 نعوض i2 ب i1 زائد i3 في لا دوزيام ايكواسيون و في لا ثروازيام ايكواسيون دونك فكم ما كانت i2 في لا دوزيام ايكواسيون في لا ثروازيام ايكواسيون نعوضها ب i1 زائد i3 دونك غادي تعطيني 10 ناقص 4 i1 ناقص 8 فوا i1 زائد i3 دونك هادي هي i2 عوضتها ب i1 زائد i3 ايتيغال 0 دونك 8 donc il y a des questions voilà donc tu me dis i1 zait i3 que tu me dis i1 zait i3 zait sta i3 n'a que 4 est égal à 0 donc l'idée n'est pas qu'on a ajouté l'équation 2 ou l'équation 3 في مكان i2 عودناها ب i1 زائد i3 دونك بقينا غير نشرو دونك 10 ناقص 4 i1 نشرو ناقص 8 ناقص 8 i1 ناقص 8 i3 ايكال 0 نشرو 8 على i1 زائد i3 دونك عطيني 8 i1 زائد 8 i3 زائد 6 i3 i3 ناقص 4 ايكال 0 دونك غادي نجمع ناقص 4 i1 مع ناقص 8 i1 كتعطيني 10 ناقص 12 i1 ناقص 8 i3 ايكال 0 ou 8 i3 زائد 6 i3 que tu as donc 8 i1 14 i3 n'a que 4 est égal à 0 donc la kharat غادي نجيب ناقص 10 غنجيب هذا 10 غنجيب لهنا باش تعطيني ناقص 10 دونك تعطيني ناقص 12 ناقص 12 i1 ناقص 8 i3 تتساوي ناقص 10 وهنايا غادي نجيب هاد ناقص 4 لهنا عطاتيني 8 i1 8 i1 زائد 14 i3 ايتيغال 4 دونك كيف درنا في ليكزامبل اللي فات اننا خاصنا نضربو عدد في ليكواسيون الاولى وعدد في ليكواسيون الثانيه بحيث انه فاش غادي نجمع لي دو ليكواسيون او فاريابل واحد غادي يتختزل دونك الا ضربنا ليكواسيون الاولى في جوج وضربنا ليكواسيون الثانيه في 3 دونك شنو عطاتيني donc je vais nضرب جوج في ليكواسيون الاولى و 3 في ليكواسيون الثانيه غادي نحصل على ان ناقص 24 i1 ناقص 16 i3 ايتيغال ناقص 20 و 24 i1 زائد 42 i3 ايتيغال 12 دونك كيف تلاحظوا اننا جمعنا هاد لي دوز ايكواسيون غادي تعطي الفاريابل i1 غادي تختزل وغادي تعطينا 26 i3 ايتيغال ناقص 8 دونك i3 ايتيغال ناقص 8 سيغ 26 اللي كتساوي ناقص 0.308 امبير دونك لقيت i3 صافي ملي تبقى ما تبقى غير انني نعوض دونك لقيت
4 et 3 sur 4 c'est 8, donc là on sauf faire l'équation, sauf faire l'équation, plus le cas et donc le cas est 3 4 c'est 8, donc ça va faire 3,8 ampères. Donc prochaine à faire sauf faire l'équation, le faire l'équation, le cas n est 1 4 c'est 8, 1 facile, ça va faire ça va faire 33 ampères, ou ça va être 33 ampères, ou faisons qui va être I2 est égal à I1, Z I3, donc à l'alcool I2, que ça va être 731 ampères, donc à l'alcool qui va se faire, il y a un nombre d'exercices, je suis qu'on a deux qui sont les majeurs, I1, I2, I3, que ça va être 3 des équations, que ça va faire les lois de Kirchhoff ou qui est calque bien derrière le mat, que ça va être des inconnus, mais bien I1, I2, I3, je suis qu'on a deux qui sont les majeurs.